We will take your questions in a moment, and I will start with asking. So, thank you, Ellie, for the beautiful film. It's a great honor to present it at the Cannes and this year. You were in Cannes a few years ago with your short film, which won the Palme d'Or, and this is your feature film. Can you talk about how you conceived of it, both in terms of story and style? Merci pour notre film. C'est un honneur de le présenter ici à la quinzaine. Vous êtes venu à Cannes il y a quelques années avec votre court-métrage qui avait remporté la Palme d'Or du cours. Comment avez-vous conçu ce long-métrage en termes d'histoire et de style? First of all, thank you all for coming and thank you for having me here. Actually, I started writing back in 2015, directly almost after the short came out, because I had felt that, like in a way, I had expressed a lot of the things that I wanted to express in the short, but then like a few months after the short came out, we had like a huge protest movement again in Beirut, and that was oppressed again, and people started leaving, like we've always had like throughout the ages, and I had a lot of friends leaving again. So I felt like it was important to discuss this sort of idea of migration, but also because a lot of people from my family actually had left and through the process had lost more than they had gained and had to come back sort of more broken, if you want, than, you know, succeeding in life abroad. And I thought it was important to discuss this. And I think also it was important to, like when I wrote the film, I didn't know what was going to happen in the last 2 years in Beirut. So the point was also to shed a light on a certain state of, I guess, anxiety or limbo that we're always living in, so like waiting for the disaster to happen. So that was, like, I wanted to put all these fears into the film and sort of try to express them and expose them and yeah, just, you know. And then what maybe, happened? Maybe I'm going to translate first. Merci beaucoup. C'était un honneur d'être sélectionné. Alors, j'ai commencé à écrire ce film très peu de temps après la sortie de mon court-métrage. Je pensais avoir exprimé énormément de choses dans ce film, mais ensuite, voilà, à Beyrouth, il y a eu de nouveau des manifestations importantes et beaucoup de gens ont recommencé à partir, comme ça arrive souvent au Liban, par voilà, ces vagues, ces mouvements en fonction des événements. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis et dont j'avais envie de parler de l'émigration. Et puis, les gens qui sont partis, momentanément, qui sont revenus souvent plus brisé qu'au départ, donc je trouvais ça important d'en parler. Et encore, quand j'ai écrit ce film, je ne savais pas ce qui allait se passer dans les 2 années suivantes à Beyrouth. Donc je voulais mettre en lumière cette angoisse, cette sensation d'être dans des limbes et puis d'être tout le temps en attente d'une catastrophe d'une certaine manière. Donc c'est toutes ces peurs, j'ai voulu les mettre dans ce film. That's it actually. How was that? Could you talk a bit more about this anxiety? Obviously a theme not only in the title, but the film is this impending doom of some sort. There's talk of a tsunami. Can you talk a little bit about the psychology behind that, maybe as seen through your main character, Yana? Alors, est-ce que vous pouvez parler de l'angoisse latente hein, qu'on sent dans le film? On parle d'un tsunami imminent. Et donc, psychologiquement, comment ça se traduit, comment vous l'avez traduit dans votre personnage? I think, like, most importantly, the way we experienced it and the way Jana experienced it is a certain suspension, or like you feel like you're living always in limbo, in a state of paralysis, where like we have a very troubled past that's unresolved, and the present is kind of blurry, and the future is always you know, untangible and unforeseen. And that puts you in a place where moving forward is very difficult. Sort of taking the next steps in your life is very difficult. So I wanted to take a look at a perspective from a person that actually made that decision to maybe do something else with their life, but didn't manage to, and they have to face, again, their past, but also like a lot of the situation of how it is in Beirut. Like, it's so much about her having left, but it's even more about what she left behind, actually, that she has to come to terms with. And everybody around her as well. Alors oui, Jana, elle a ce côté un peu en suspension, elle est un peu paralysée. Et au Liban, c'est souvent comme ça, on a un passé qui est non résolu, qui a été très troublé et qui est non résolu, un présent qui est flou et un futur totalement impalpable, intangible. Et c'est souvent difficile d'avancer dans la vie comme ça. Là, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a décidé de partir, mais qui n'a pas réussi là où elle est allée. Elle est obligée de revenir et de se confronter à son passé. C'est autant un film sur ce qu'elle vit aujourd'hui que ce qu'elle a laissé derrière elle et qu'elle doit de nouveau affronter aujourd'hui.
And the way Beirut, the city, is depicted on the screen is certainly like nothing I've ever seen in cinema, this depiction of Beirut, which often we see in cinema, this cliche of it being noisy and chaotic. And here it's almost very alien-like. It's very nocturnal and still. Can you talk about your concept, the visual depiction of the city? Alors, la peinture qui est faite de la ville de Beyrouth est très loin de ce qu'on voit d'habitude dans les films qui font le portrait de cette ville. Le cliché, c'est plutôt une ville très bruyante, extrêmement chaotique. Là, on est dans une ambiance très nocturne et très calme. Comment avez-vous travaillé visuellement? I think it was like a big part of actually the film was also to try to surpass that state of, you know, everything's always great in Beirut, people are having fun, going out, and life is busy, and so on. Because I think that's partly a facade as well. Like, we tend to live in a bubble and sort of in denial of the reality around us. And I wanted to sort of extract that and try to see the city in the way we experience it, how it feels in an impressionistic way, more than, you know, like how it is in traffic and all of that. And that was a very important approach. But I mean, if you go to Beirut in the last 2 years, actually it has become much more silent and much more quiet. And that's also the bit of a weird thing, actually. How sort of fiction and reality kind of, yeah, succeed and overlap each other. Oui, alors j'avais envie effectivement de dépasser cette idée reçue ou ce cliché qui est souvent véhiculé, que c'est la ville de la fête, de l'amusement, et ce qui pour moi est souvent une façade en fait, dans cette bulle pour un peu échapper à la réalité. Donc moi j'ai voulu montrer la ville telle qu'on peut la ressentir de façon impressionniste, et il s'avère que dans les deux dernières années, cette ville de Beyrouth est devenue beaucoup plus silencieuse, ce qui fait un peu bizarre, puisque d'une certaine manière la fiction rejoint un peu la réalité, ou l'inverse. If there are questions, please raise your hand. We have a microphone. Une question dans le public? Well, yes, down here. Hi, it's about the title. The title is A Sea Ahead. And I think that in Arabic culture, when you see it's a formula of Persian formula of the sea ahead, al-bahr amamkum, wadu warana. My question is, the enemy and the foe is just behind. So my question is, who's the foe? Who's the enemy? Alors, question en référence au titre, face à la mer. Dans la culture arabe, en fait, c'est derrière ça que se cache l'ennemi. Et là, en l'occurrence, quel est l'ennemi? Où est l'ennemi? Yeah, because basically the expression is, the sea is behind you, the enemy is in front of you, so where do you go? That's like the rough translation. But actually I flipped it. It's the sea in front of you, not behind you. And I think I mean, it's a reference to the expression, but it's also to play with the duality of the sea. So I think there's no mention of the foe, because I think in the film, or at least in the way we experience the sea, it's like the horizon and the opening and the future, but also it's the thing that we are polluting and we're blocking, and it also becomes the hurdle to actually go somewhere else. So I think the sea in the title and the film represents both the enemy and like escape, I guess. Alors oui, l'expression c'est la mer est derrière et l'ennemi est devant, où va-t-on? Donc c'est une référence en partie, oui, à cette expression. Alors moi j'ai inversé et j'ai mis la mer en face, devant, et je voulais aussi exprimer la dualité de l'image de la mer. Je ne mentionne pas l'ennemi parce que pour moi donc il y a ce sentiment un peu mélangé de la mer qui représente l'horizon, l'avenir, l'espoir, mais aussi c'est aussi ce qu'on pollue, ce qui peut nous empêcher d'aller un obstacle. Donc je voulais exprimer aussi cette idée que ça peut être à la fois un ennemi et une échappatoire. Can I actually add something still to it? I think also like an important thing in the film for me was to abstract the enemy, because I feel like the state of, let's say, limbo or paralysis that I'm depicting is not directly linked to you know, like one government or one event or one political assassination or whatever it is. It's like a culmination of all these events actually that render the people paralyzed. So I wanted to sort of combine all of those in the metaphor, I guess, of the tsunami. Alors oui, j'avais envie de rendre l'ennemi assez abstrait, parce que cet état de limbe, de paralysie qu'on observe chez les personnages n'est pas lié à un gouvernement, un événement ou un assassinat politique en particulier. C'est une combinaison de tout ça, et donc qui finit par paralyser la vie là-bas.
Other questions? A mic take. Oh yes, there's one just there. You just raised your hand, yes. Can you tell something about us, for us, about the end of the film? Can you tell us about the end of the film? Because you choose the violence, you choose to break the link between the two people. I would like to have a little explanation about that, please. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être la fin du film, pourquoi avoir fini sur cette note violente et avoir décidé de casser le lien entre les deux personnages? Well, I wouldn't give a... like an explanation of what motivated her, I guess, but I think it was important for the character of Jana to have like a breaking point, a sort of cathartic experience to let go and get the rage out, I guess. So it's not necessarily Adam's fault that he's this terrible bad guy. I mean, he is a weight on her, and I mean, he represents whatever he does, but it's not so much him as the enemy that sort of justifies the act as much as it's like an internal exorcism, I guess. Alors, je n'ai pas envie d'expliquer sa motivation réellement. Simplement, je voulais lui offrir un point de rupture. Pour moi, c'est ça qui se passe, un moment cathartique où elle fait sortir sa colère. Ce n'est pas tellement la faute du personnage en lui-même. Il lui met un petit peu la pression, mais c'est pas son ennemi. Il n'est pas fautif, vraiment. Et je voyais ça comme une sorte d'exorcisme intérieur. Raise your hand down here. Thank you. Bonjour, je vais la poser en français, ce sera plus simple. Vous parlez beaucoup de fantômes donc, dans ce film-là, quand vous traversez la ville. Ce fond de mer, c'est vrai qu'il se vide, mais pour des raisons multiples, dont la corruption aussi. Hein. Mais il y a quand même cette histoire de fantômes. Enfin, elle le dit vraiment. Et moi, ça m'a fait penser dans votre film aussi au cinéma de Ghassan Salama. Donc je ne sais pas si pour vous aussi ça fait partie de votre parcours de cinéaste, puisque on sait que c'est une référence. Et à ce moment-là, quand elle le dit et que vous vous promenez donc le long de cette corniche ou dans cette ville, ça m'a fait vraiment penser donc à ce cinéma, je trouve, qui donne cette présence-là aux fantômes dans enfin, beaucoup des films des cinéastes libanais actuellement, quoi, cette trace-là, ce côté fantôme qui justement fait que la ville se il y a cette atmosphère de vide et qui n'est pas celle que celle de la vie et de la fête. Non, je ne sais pas. So, the film talks a lot about ghosts when we're crossing the city, not only because it's being emptied by corruption amongst other things. So, but there's also a lot of mentions about ghosts. So, is it an is your cinema influenced by Ghassan Salama? So is he one of your influences? I mean, he's a huge filmmaker that I respect and admire, but I wouldn't say it was directly an influence from him. I think direct influence is the city of Beirut more than anything else. And like the scene that I chose to shoot that in actually is in downtown Beirut. And that was also kind of a critique because the whole downtown area was completely demolished after the Civil War and rebuilt for you know, all the luxury brands and shops and stuff. But that project completely failed, and I mean, it is a ville fantôme in a lot of ways. But also, I think like when I talk about paralysis and the state of limbo, like almost everybody I know in Beirut lives on antidepressants. Like it's not a joke. So like, there really is this feeling of like this ghostly feeling in the city, and it's only getting worse. So I think you only need to look like in front of you to see it, basically. Alors, évidemment, c'est un grand réalisateur que j'admire. Je ne dirais pas pour autant que c'était une influence directe pour moi dans ce film. Ma seule influence directe, c'est vraiment la ville de Beyrouth elle-même. J'ai tourné dans le centre-ville et on m'a un peu critiqué pour cela, puisque ce centre-ville a été entièrement reconstruit après la guerre civile, avec des grands immeubles et des hôtels et des boutiques de luxe. Mais justement, c'était un choix. Et en fait, moi, tous les gens que je connais à Beyrouth sont sous antidépresseurs, ce n'est pas une exagération. Donc cette sensation de fantôme, elle s'accentue d'année en année, de mois en mois. Any other questions? We have time maybe for one more. Mm-hmm.
Bonjour, merci Elie pour ce film. Et ma question, on est très fiers de toi, d'ailleurs, nous les Libanais. Et on est très contents que tu sois là ce soir et cet après-midi. Et c'est un film vraiment très, très représentatif pour nous pour l'instant, vu ce qu'on est en train de vivre. Mais ma question pour toi, j'ai senti que, en tant que réalisateur maintenant, toi, tu as une continuité dans ton travail. Et je trouve que tu travailles beaucoup avec la ville, avec les jeunes qui sont vraiment perdus. À quel point ce film-là est la continuité de Wave 98 qui a gagné la Palme d'Or en 2015? All right, so we're extremely proud that you're doing this work as Lebanese people, as a Lebanese director. So this film is a very representative of what living in Beirut is like today. But as a director, we feel the continuity in your work, talking about the lost youth and the city. So to what extent is this film an extension of Waves 98? Hi, Zeno. Thank you for your question, for everything. It is a direct continuation, I guess, because both Waves and This Year Ahead came from a very personal place of wanting to explore whatever we're going through and reliving. It's always only been a build-up, actually, since then. So it's normal that they're a continuation. So I think it was only, like as I said in the beginning, actually, so when Waves came out and then the trash crisis started and the protests in 2015, and that's when actually people were leaving, that I was motivated again to actually explore this on a wider scale, on a bigger topic, and shed light on something that I thought was important to talk about, and to show Beirut, like contemporary Beirut, the way we live it, not, you know, the nostalgic and the, yeah. Oui, absolument. Il y a ça s'inscrit dans une continuité, dans cette envie personnelle que j'ai d'explorer ce que nous vivons au Liban, à Beyrouth. Et comme tout s'est un peu accentué, tout est monté en puissance depuis ce court-métrage, quand Wave est sorti, donc les manifestations ont recommencé. Et donc j'ai voulu montrer tout ça à une plus grande échelle encore, et montrer Beyrouth de façon contemporaine et pas du tout d'une manière nostalgique. That's all we have time for, but thank you again. We wish you a great Cannes, and thank you for all your questions.